Alors, où sommes-nous? Nous sommes en Israël, à Tel Aviv. Tel Aviv, il y a un chat qui m'a fait peur. Et on va faire une petite promenade le long du littoral, entre le littoral et le nord centre-ville. Sur le parc de la Dépendance. Je pense à Heraklion Park. Au niveau diplomatique, surtout militaire, vous aurez tout de suite compris quand vous regardez les cartes. Ah oui, il y a des effets spéciaux aujourd'hui, je vous dis pas. Ici avec l'hôtel Shalom, nous avons aussi été. Et donc ces bâtiments de style Bauhaus. Celui-là est pas mal en fait, vous voyez, avec ses balcons intégrés en volant Cora. À côté de l'ambassade. Ça c'est pas un style beau, c'est en construction d'ailleurs. Il y a de très très gros, très très hauts high-rise, gratte-ciel. Je regarde si c'est pas les cacatchis à part. Si tu dirais ça à un juif, c'est pas des cacatchis, t'engueulerais pour dire que chez eux les chiens ne font pas quelqu'un par terre en fait. Soit un juif, un israélien. On va faire du tout par là. Vous voyez, c'est ce style Bauhaus encore. Très bel exemple ici. Hein. Ça, bon, c'est beaucoup plus moderne, mais c'est un peu dans le style aussi. Oh. Même pas. Bordel. Et donc, nous voilà dans ce Heraklion Park. Prononciation non garantie, donc le parc de l'indépendance, traduction non plus non garantie. Mais bon, d'après les recoupages que j'ai pu faire entre les cartes, ça doit être ça. Alors, regardez, voilà la preuve. Ça, c'est pour les chiens. Allez, on va aller par là. Oh. Assez. Finalement, la ville est plus seule, entretient mieux ses parcs. C'est dès qu'elle la fera faire. Bonjour. Ça sent les guerres. C'est pas là. Oh. Un chat.
Je voulais vous montrer les plages. Ici, nous avons la plage en dessous, la plage communautaire. Attendez, oh, attendez, non, je suis trop loin. Où suis-je? Je suis dans la mer. Ah oui, évidemment, saloperie de bazar. Ah hey. Voilà, le zoom. Le zoom est capté. Oui. C'est un nouvel appareil. Donc, ce place, ce parc de la dépendance. Je faisais des plages communautaires, la séparation homme-femme. Les hommes sont là. Et alors, les hommes doivent faire attention parce que là, il y a une autre plage communautaire. Vous voyez? Et en fait, c'est la plage gay. Donc, je dis à tous nos amis israélites orthodoxes, faites attention aux séparations et aussi ne vous mêlez pas à une plage où il n'y aurait que des hommes. Et, bon, si, enfin, la plage orthodoxe, des juifs orthodoxes, hommes, masculins, est à côté de la plage gay. Des orthodoxes gays, en fait. Enfin, l'orthodoxe. Tout ça était très hétérodoxe, effectivement. C'est un petit peu ça, ce que je voulais dire. Vous allez voir dans le dictionnaire français-grec, hein, hétérodoxe. L'endogamie, c'est ça, rien à voir avec la craquette, c'est-à-dire se marier ensemble. Les gays se marient ensemble. Les juifs orthodoxes se marient avec les femmes orthodoxes. Alors c'est très marrant le soir, comme ça, ils remontent tous avec leurs petits trucs blancs, habillés comme des marins pêcheurs en défilé devant la communauté. C'est bien trouvé, ça. Allez, bonne après-midi.